idée, on s'est dit pourquoi pas partir en Belgique. Quelle belle décision. Ça parle français, c'est pas compliqué. Ah ouais. À qui est l'honneur? Ah, ça c'est pour reconnaître les Belges. On va les appeler là tout de suite pour vérifier si vous êtes avec des Belges. Ils vous font s'il vous plaît, à qui est l'honneur? Bon, on va passer un coup de fil. Ça vient juste d'être testé par Florent, donc les familles sont toutes chaudes. C'est bon. Premier coup de fil en on Belgique, sonne. C'est parti, ça sonne. Nom de Dieu. Pas dit donc. Allô, oui, bonjour. Message des amours, j'écoute. Que puis-je faire pour vous? Allô? Allô? Moi je suis tranquille, moi écoutez, je bouge pas, je fais rien, je paye même pas la communication, donc tranquille. Ça va? T'amuses bien? Moi aussi. Allô? Et maintenant ça va? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Qui êtes-vous? Qui suis-je? Oui. Salut, c'est Olivier, monsieur. Moi je ne vous connais pas. Ah, moi non plus. À qui ai-je l'honneur? Marc. À qui ai-je l'honneur? S'il vous plaît. Marc. Allô? 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 Oui? Vous avez l'honneur à Marc. S'il vous plaît. Allez, c'est bon. N'entends rien du tout. Comprends rien. Tout le monde est parti, je crois. Hello? Non, tout le monde est parti. Nous sommes tombés sur des Belges. Hein, vous avez reconnu tout de suite, grâce à plusieurs à qui ai-je l'honneur à la suite. Hein. À qui ai-je l'honneur? Et puis, oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ils sont polis, les Belges. Ils disent toujours s'il vous plaît quand ils comprennent pas. S'il vous plaît, à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît. Messagerie des amours, j'ai pas compris. J'ai cru qu'on avait appelé l'autre là qui présente l'émission. Là, ah, Jean-Luc Reichmann. Voilà. J'ai cru qu'on avait appelé Jean-Luc Reichmann avec les chaussures jaunes. Là. J'ai eu peur au début. Je me suis dit, bah, Florent, il a fait n'importe quoi et a appelé les amours. Qu'est-ce que c'est? Donc, non, c'est la famille qui faisait une blague. C'est ça. Et l'autre famille a mis le temps pour répondre, mais ça y est, on a eu tout le monde là. On va tenter une deuxième connexion entre les deux familles. Double appel la suite sur Sky. Les deux familles de Belgique, nous allons rappeler immédiatement, ça sonne. Allô? 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 Oui? Oui? Je vous écoute. C'est qui là? Oh merde. Ça va pas recommencer, non? C'est qui là? C'est une femme maintenant. Ils sont partis? Ah, et ben ils sont partis. Mais non, c'est une femme qui m'a parlé, je te le jure, elle a dit, tu vas pas recommencer, hein, non? Elle est posée. Certes, t'es croche là, y'a plus là, certes. La femme, elle m'a dit, tu vas pas. Ah, bien, il est parti. Je te jure, certes. Elle m'a dit, tu vas pas recommencer. Non, pas là, pour le parlophone. Ils sont en train de faire des magouilles avec le téléphone, non? Parti? Ils sont en train de faire des magouilles avec le téléphone, hein. Je laisse un peu parce qu'on sait jamais s'ils peuvent revenir là, hein, s'ils décrochent. Ils sont emprisonnés. Bon, ils sont partis. Allez, ils sont partis, il n'y a plus de bruit. Allez, ils sont partis, on raccroche le téléphone. Bon, nous avons eu, il y a des problèmes de téléphone. Ils essayent de, je ne sais pas ce qu'ils essayent de faire avec le téléphone, de réparer le. Parlophone. Branche-le comme ça. Le parlophone. Le parlophone. Oui. C'est pas vrai. Si. Le parleur, ils appellent ça le parlophone. C'est le parlophone. Le parlophone. Pas comme ça le parlophone. Ah, il faut réparer le parlophone. Autrement, on a un problème de téléphone avec les Belgas com. À qui est l'honneur, très bien. La femme était un peu plus énervée. Hein. Ah, merde. Elle a dit. Ça recommence. C'est une femme. Les Belges sortent des gros mots. Orson. Troisième coup de téléphone, Florent a déjà fait le numéro de téléphone. C'est long pour aller en Belgique, donc on retourne en Belgique là tout de suite. Troisième coup de fil et troisième mise en contact des deux familles de Belgique que l'on aime. Ça sonne pas toujours, Florent, ça y est. Ça sonne. Hé hey, connard, tu vas arrêter maintenant, oui? Parce que allô, tu écoutes là, casse-toi maintenant. Quoi? Vas-y, ma faute. Attention, on est dans une série ce soir, bonjour.
arrêter la musique. Tout spécialement pour toi, DJ. Oh, sur DJ. Bon anniversaire! Votre famille? Bon anniversaire! Bon anniversaire à toi! Attention, cher DJ, à la prochaine! Problème pour raccrocher, vous avez remarqué? Bon, qu'est-ce qu'on fait? Hé, hey, connard, t'arrêtes? Tu redébranches ou quoi? Non, ça sonne chez l'autre. On va pas le DJ. Espèce de gros con! Trou du cul! Ça y est? Ça y est? Non, ça y est pas. Allô? Allô? Attention, bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous, nouvelle soirée de cette année, bonjour! Attention, viens, on va me brancher directement sur la gendarmerie, tu vas te faire descendre, petit con! C'est assez insupportable. C'est pas vrai. Oh putain. On dirait que ça repasse dans le téléphone pour tout dire. Et DJ, ils sont partis là. Et DJ, c'est parti. Hey, c'est la famille d'Adams. Hein. Oh, eh ben écoutez, nous avons un DJ belge là qui. Ils sont partis définitivement, on n'entend plus rien. On ne sait pas de dédicace de DJ. Il nous fait des dédicaces, ouais, c'est gentil. Il nous a passé la musique, la Lila. La musique. La Lila. C'est sympa. Hein. Alors après, j'ai pas reconnu. C'est hein. Le truc de. C'est l'idiot, non ? Sonia, Sonia la scène. Oui, c'est ça. C'est ça. Et Roméo et Juliette. Oh, c'est moche. Ça passe à la télé. Ok, DJ, bon anniversaire. Dick Bond. Et la dame était énervée. Connard ! Et le mari énervé aussi. Hein. Fils de pute. Fils de pute, ils disent. Fils de pute. Connard. Directement sur la gendarmerie. Ils vont descendre. Je vais brancher directement sur la gendarmerie. Ils vont descendre. Wow. Et ils sont chauds les gendarmes là-bas. Depuis qu'ils ont affronté les hooligans anglais, ça y va. Ah, ils sont sur le pied de guerre. Là. Le pied de guerre, oui Marie, exactement. Bon, allez, moi je propose s'arrêter là parce qu'il est trop bon ce double appel. Trop bon les familles. Allez, on y retourne. On rappelle un petit coup les familles de Belgique qui sont en pleine forme. Le DJ belge là. DJ. Dédicace au DJ. Allez, ça sonne. Allô. Comment entendez-vous, cher ami? Allô. 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 Trou de cul. Trou de gueule. Morue. Et quoi? Ça va? Allô. Y'a plus personne là-dedans ou quoi? Elle m'a dans le tuyau, Hervé. Allez, Hervé. Elle m'a dans le tuyau, Cham. Tu l'entendais, Hervé? Eh quoi, j'ai un repos, là, tu nous dis Dieu. Ah, ben, Dieu, que t'es bien, c'est. J'y connais des innocents, mais des comme toi, j'en ai connu. On t'invite à le partout, si tu veux venir. Allez, viens, mon Cham. Bon, moi, je te laisse, c'est parce que je commence à en avoir marre, hein, de parler dans le vide, hein. T'as tout gamin, je t'en passe quelqu'un d'autre, comme ça ne sera pas la seule. T'as tout gamin. Les gamins. Allô. Mon père. Oh oui. Mon père.
Voilà, les autres sont partis. On aura au moins fait plaisir à cette famille belge. Hein, vous avez vu, ça s'est terminé par un orgasme, le double appel en Belgique. Hein. Bon, et là, il y a un moment, j'ai pas compris, c'était du patois, non? Ouais. Un patois belge. Un capteur patois. Moi qui vous disais tout à l'heure que ça parlait français, ben pas toujours, hein, ça parle du patois. J'ai entendu trou de cul. Hein, vous avez compris, trou de cul. Ça. Trou de cul, vous comprenez? Vain Dieu. Ça, c'est l'équivalent du ben bon Dieu. Ah, on voit vain Dieu. Et j'ai compris aussi qu'on nous invitait à une partouze. C'est ça. Une partouze. J'ai compris, partouze. Bah, écoutez, ils sont gentils, hein, les Belges. Le DJ belge, là. Nick Bond. La partouze pour terminer. Et l'orgasme final. Bravo, la Belgique. Si avec ça, on vous a pas donné envie de partir en vacances.